Salut à tous, c'est Mandibulata. Alors aujourd'hui, on va parler des lépidoptères ou papillons. Bref, laissez-moi vous montrer ce qu'est un lépidoptère. Les lépidoptères sont un ordre d'insectes qui sont caractérisés par le mode de reproduction dit holométabole, au cours l'individu passe par plusieurs stades. Tout d'abord l'œuf, la chenille et la chrysalide. Et enfin le papillon adulte. Ils ont tous deux paires d'ailes membraneuses et pour la plupart des espèces recouvertes d'écailles colorées. Leurs pièces buccales se transforment en trompes pour aspirer le nectar. Chaque espèce se nourrit d'une plante unique. Il comporte entre 155 000 espèces et 174 000 espèces décrites, dont 5 000 espèces en France réparties en 136 familles. Les papillons tels qu'ils sont aujourd'hui sont apparus il y a 150 millions d'années, et le plus ancien spécimen était apparu il y a 190 millions d'années. Mais ils ont coévolué avec les plantes à fleurs. Ils vivent dans tous les continents sauf l'Antarctique. La situation écologique des papillons en France est mitigée. Certaines espèces sont invasives, comme la pirate du maïs ou la chenille poissonnière du pin, à cause de l'abondance de leurs plantes hôtes et d'autres facteurs. Mais beaucoup d'espèces sont en train de régresser à cause de la destruction de leur habitat, par l'urbanisation, l'agriculture, la déforestation, bref, tout ça. Commençons avec la chenille poissonnière du pin, ou Tomatopea pituocampa. Cette espèce se nourrit d'aiguilles de pin. Ces chenilles mesurent jusqu'à 40 mm de long à leur dernier stade, elles sont couvertes de poils urticants, elles marchent d'une manière qu'on appelle procession. Et elles construisent des cocons de soie dans certains arbres résineux. Le papillon peut mesurer de 35 mm à 40 mm d'envergure, et il a des antennes d'une forme étrange. Cette espèce ouvre pendant l'été des rangées d'œufs par paquets de 150 à 200 sur les pins, sapins et cèdres. L'éclosion a lieu 6 semaines après la ponte des chenilles. Après leur éclosion, les chenilles mesurent quelques millimètres, elles passent l'hiver dans des cocons de soie dans les arbres, puis elles en sortent au printemps pour aller se chrysalider. Tu sais que ce mot n'existe pas en fait. Arrête de déshonorer mes cousins, s'il te plaît, là, tu casses les couilles. Tu vas fermer un moment? On s'en fout que ça n'existe pas, arrête de gâcher mes vidéos là. Bon bref, c'est une espèce invasive qui ravage les forêts de pins et pique les enfants avec leurs poils urticants. Enchaînons avec l'azurée de la sanguiforme. Ou Fengaris teleius. C'est une espèce de la famille des Lycaenidae. Le mode de vie de cette chenille est spécial car cette chenille ne se nourrit pas d'une seule branche unique comme les autres chenilles, mais se nourrit de larves de fourmis, car la femelle azurée pond des œufs dans une fleur, la sanguisorbe. Pour l'éclos, elle a la taille d'une larve de fourmi, puis les fourmis trouvent la chenille et la recueillent dans leur nid. Là, elle mange les autres larves de fourmis et se font même nourrir par elle. Donc dis-moi. Cette espèce est présente dans toute l'Europe, en Russie, au Kazakhstan, en Mongolie, en Chine, en Corée et au Japon. Cette espèce vit dans tous les endroits qui sont humides, comme des prés humides ou encore des tourbières. Sauf que les tourbières reculent de plus en plus à cause de l'agrandissement des villes. Du coup, cette espèce est protégée par la Convention de Berne. Continuons avec le papillon lune. C'est un papillon nocturne de la famille des Saturnidae. Son envergure est en moyenne de 9,75 cm. Les mâles ont des antennes larges pour repérer les phéromones des femelles. Elles pondent entre 400 et 600 œufs sur les feuilles de plusieurs plantes, dont les chenilles se nourrissent, comme le bouleau, l'aulne, le plaquemignier et le noyer. Les œufs éclosent 8 à 20 jours après leur ponte. Les jeunes chenilles vivent en groupe jusqu'à leur troisième stade. Chaque stade prend une semaine à se réaliser. Pendant les deux premiers stades, la chenille est verte, avec de petites touches de noir. Puis au troisième stade, elle peut avoir des couleurs très variables. Bon, gros, ça va du jaune au violet. Puis, lorsque le moment est venu, elle commence à tisser son cocon avant de se chrysalider. Oui, je sais, ce mot n'existe pas. La chenille vide le surplus d'aliments dans son corps et devient rouge. Avant de se chrysalider, elle reste en chrysalide pendant au moins 2 semaines. Sauf si elle hiberne. Puis le papillon sortira et recommencera le cycle. Enchaînons avec un des papillons les plus emblématiques, le papillon morpho. Ce papillon fait partie de la famille des nymphalidés. Son envergure est de 16 cm d'envergure. L'espèce est connue pour ses ailes de couleur bleue. Elle vit en Amérique du Sud et centrale. Elle se nourrit de fruits très mûrs. Et aussi, il n'y a presque pas d'infos sur ce papillon alors qu'il est très connu. Je ne sais même pas pourquoi. Continuons avec le paon du jour, ou Aglaïs iau, un papillon très connu. La taille moyenne de l'adulte est entre 5 et 6 mm. La taille des chenilles est très variable. Tout juste née, elle n'excède pas 3 mm de long. Au bout d'un mois, en se goinfrant d'ortie, elles atteignent 4 cm. Puis elle cherchera un endroit où se nymphoser. La chenille s'accroche à une plante et se transforme en chrysalide au bout de 2 semaines. La chrysalide s'ouvre et laisse échapper le papillon. Le papillon peut hiberner pendant l'hiver.
Il est répandu dans toute l'Europe jusqu'à la Turquie et parfois même en Afrique. Cette espèce vit dans les parties ensoleillées des bois, dans les prairies humides. Bon, c'était mon Gibulata. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, même si je pense qu'il est un peu court. Parce que, en fait, le texte est en préparation depuis plus d'un mois, mais bon, comme j'avais la flemme et le collège, etc., ça a pris un peu plus de temps et je ne vais pas sortir cette vidéo la semaine prochaine, ou même jamais en fait. Donc voilà la vidéo. Peut-être tu vois une partie 2 sur les lépidoptères, parce que là, je n'en ai traité que 5, alors qu'il y en a bien plus qui sont marquants et intéressants à découvrir. Bon, bref, c'était mon Gibulata. À toutes pour une prochaine vidéo.